Bonjour à tous, Abdoulaye. On se trouve aujourd'hui en cuisine pour une nouvelle recette à base de pain de mie fait maison. Une recette qui demande pas mal de temps de repos et quelques ingrédients spécifiques. On se retrouve tout de suite en cuisine. Nous allons débuter cette recette avec un peu d'eau tiède qu'on va mixer avec la poudre de lait. Comme ça. Il y a environ 200 g d'eau et 20 g de poudre de lait. Dans le cul de poule, nous allons mélanger 370 g de farine. Nous allons incorporer le sucre. Voilà, le sel, et sur le côté, la levure. On va essayer de ne pas tout mélanger ensemble. Et on garde le beurre pour après. Dans un deuxième temps, on va incorporer le lait. D'un seul coup, on va mélanger à la cuillère pour débuter. On continue à la main pendant quelques minutes. On pétrit le tout. On commence à obtenir une pâte homogène. On continue à mélanger. On incorpore 50 g de beurre pommade. Et puis qu'on incorpore légèrement, on continue à mixer. On commence à avoir une belle pâte bien homogène au bout de 3 minutes de pétrissage. Donc là on a une belle pâte. On recouvre de notre pâte avec un torchon pendant une heure, le temps que la pâte pousse, qu'elle prend un peu de volume. On le met de côté. En attendant que la pâte pousse, nous allons beurrer nos moules. Après une heure de pousse, voici le résultat. Le volume a doublé, on a un beau résultat. On débarrasse la pâte. On va travailler la pâte à la main comme ça, on va bien l'aplatir.
pas vraiment besoin de fariner plein de travail. Hein. La pâte est bien lisse, bien homogène. On va plier d'un côté comme ça. On va bien aplatir, bien enfermer. De l'autre côté. On ferme bien. Tout simplement, on va le mettre dans le moule. La pâte est dans le moule. On va laisser reposer 1 heure et demie. Comme ça, histoire que la pâte repousse. Voici le résultat. Après 1 heure de pousse, la pâte a doublé encore une fois de plus. On a une belle pâte. On a préchauffé le four à 180 degrés. On va les enfourner pendant 20 minutes à 25 minutes de cuisson. Thank you.